Je suis là parce que je pense que la situation doit changer à Laval et qu'à Laval, nous avons des opportunités pour que demain, on puisse vivre heureux, on puisse travailler, on puisse vieillir, on puisse étudier, on puisse s'amuser, on puisse faire du sport à Laval. Nous, nos enfants et ceux qui suivront. Les Lavallois pensent que notre ville ne bouge plus. Elle s'est endormie. Donc on a besoin de redonner du dynamisme à la ville de Laval pour un avenir meilleur. On sent qu'il y a quelque chose qui est en train de naître, une force vive. Il y a en fait un dynamisme de la part de tous les acteurs pendant la préparation de cette campagne, dans les groupes de travail auxquels ils ont participé. On sent vraiment une volonté de pouvoir faire réussir la ville de Laval. Nous, il faut que ça change. Le lendemain de l'élection, on s'y met, on retrousse les manches et on y va. Il est très important aussi aujourd'hui de financer le projet, de dire aux Lavallois qu'il ne faut pas s'inquiéter, qu'on n'augmentera pas leurs impôts, parce que si on propose un projet, c'est qu'on a les finances en face, et sinon on ne le proposera pas. Ce qui manque aussi à Laval, c'est l'attractivité, puisque c'est l'attractivité qui va nous permettre de développer la ville, c'est l'attractivité qui va nous permettre de faire venir du monde. L'avenir de Laval est déterminé à 90% par l'emploi et les entreprises sur Laval. C'est la gare de Laval. Telle que la voie, les gens qui descendent, enfin, c'est la première vue sur les quais. On aurait dû déjà avoir, et nous on va le faire. Mais tout de suite, on devrait avoir une rue, un nouveau quartier, des immeubles de bureaux. Donc tout ce quartier doit être refait pour soutenir l'emploi, pour soutenir le développement économique. Parce que ce qu'on veut, c'est démarrer le lundi qui suit l'élection, quoi. On ne veut pas perdre de temps, il y a eu suffisamment de temps perdu à Laval, il y a plein de choses à faire. On a un candidat, on a une équipe, on a des volontaires et on a des Lavallois. Et avec ça, c'est le quartier pour gagner. Ensemble, on veut réveiller Laval. Exactement. D'ici, tu vois les deux tiers de la ville de Laval. Il n'y a pas une seule grue, il n'y a pas un chantier. C'est une ville, on va la réveiller, tu vas voir, ensemble.